Eh bien bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour enfin la vidéo des 500 abonnés, c'est-à-dire que ça va être une vidéo annonce. Ça fait très très longtemps que je voulais la faire celle-là, sauf que bah, il y a eu des petits changements depuis la dernière fois que je vous ai parlé directement en termes de vidéo annonce, hein. Une vidéo 500 abonnés, je la fais parce que voilà, 500, il faut comprendre que c'est vraiment un nombre énorme. Alors c'est peu par rapport à d'autres youtubeurs dans mon entourage, hein, Siphano, Zandar, Wildgameplays, ou même les stars du web que tout le monde connaît, telles que Diablo X9 ou The Fantasio 974. Mais voilà, pour quelqu'un comme moi, faut comprendre que 500 c'est énorme. J'ai pris un jeu de cartes pour vous donner un petit exemple. Un exemple, voilà, dans un jeu vous avez 52 cartes. Et regardez si j'étale un jeu de cartes. Regardez déjà ce que ça donne. Et là, il faut que je fasse 10 fois ça pour atteindre le nombre d'abonnés, le nombre de gens qui me suivent. C'est-à-dire qu'il faudrait que j'imagine, même si c'est pas forcément vrai, que y ait, à chaque fois que je fais une vidéo, il y a tous ces gens-là qui me regardent. Mais 10 fois ça. Sachant qu'à l'heure où je parle, je dois en être à 517, quelque chose comme ça. C'est incroyable, si j'étais un bon youtubeur, je devrais prendre 10 jeux différents et vous les étaler. Seulement, voilà, je ne suis pas pro à ce point-là et j'ai vraiment la flemme de le faire. Et ce qui est intéressant avec mes abonnés, bon, avec vous, en fait, qui me regardez et qui me soutenez, c'est que, bah déjà, bon, vous me postez des messages à mes vidéos, c'est super sympa, et moi je lis vos messages. Voilà, je vais prendre l'exemple d'un abonné au hasard, un abonné même quelconque que je ne connais pas. Qui ne poste pas de message, voilà. Toi là, toi, ça c'est mon abonné. Je ne te connais pas, tu ne me connais pas, on s'est jamais parlé. Donc, ce qui se passe, c'est que vous dites, ah ouais, mais j'en ai trop, je suis perdu dans la masse. Donc, exactement, c'est un abonné qui est complètement perdu dans la masse. Il est complètement perdu, il ne sait plus du tout où il est, et le jeu est bien bien mélangé. Il est tellement mélangé que, à la fin, moi je distingue. De groupes, il y a les abonnés que je ne vois pas et ne postent pas de messages, et puis il y a ceux qui sont visibles, ceux qui me posent des messages régulièrement et à qui je réponds. Voilà, donc il y a les abonnés à qui je parle et d'autres à qui je ne parle pas, tout simplement parce qu'il y en a qui me laissent des messages et d'autres qui ne m'en laissent pas. Et au final, ce qu'il faut comprendre, c'est que entre ceux qui me laissent des messages, ceux qui ne m'en laissent pas, ou ceux qui sont un petit peu entre les deux, et bah au final, ça ne change rien parce que vous êtes tous pareils. Et qu'en un claquement de doigts, vous êtes tous mes 500 abonnés entièrement seuls. Et merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Voilà, j'espère que ce petit tour de magie vous aura plu. Qu'est-ce qui a changé depuis la dernière fois? Bah, y a pas mal de choses, c'est que j'avais parlé de faire, de continuer les vidéos de magie d'une part, et de faire en plus. Une sorte enfin une nouvelle série où j'allais vous apprendre quelques techniques de base avec les cartes. Ce qui va se passer, c'est que en fait j'ai mon ami Mcroft de France, ou plus connu sous le nom de Andrea du 04, qui lui a commencé la magie et qui a décidé de fonder une chaîne communautaire de magie. Et ça, c'est une grande opportunité pour moi de faire ça, parce que d'abord parce que je peux pas en faire très régulièrement des vidéos de magie. Et en plus, bah, ça me permet de mieux clarifier les choses, parce que vous avez vu que sur cette chaîne Magemo, il y avait plein de choses. Il y avait Magie et Minecraft, mais comme j'ai vraiment envie de faire d'autres jeux que ça, vous avez vu que j'ai changé le nom, c'est devenu Magemo PC. Et de la même manière, j'ai Magemo PlayStation, HD d'ailleurs, parce que voilà, bon, c'est plus la classe quand c'est HD. Et donc, vous avez vu, bon, je mets le lien de la chaîne dans la description, c'est dans la subbox. Donc, en fait, à partir de maintenant, toutes mes vidéos vont être là-dessus. Alors, je sais pas encore ce que je vais faire des vidéos qui sont sur cette chaîne-là. Je pense qu'en fait les tours que j'ai déjà fait, je vais les refaire en mieux, où on va mieux m'entendre, parce qu'avant ma prise de son était vraiment mauvaise. Donc certains je vais les refaire, certains je vais les réuploader. Tout ça sur cette nouvelle chaîne communautaire, et la nouvelle série où je vous apprendrai des tours, bah, sera faite là-dessus, pas enfin, sur cette nouvelle chaîne. Et d'autant que bah, vous en profiterez d'autant plus, parce qu'il n'y aura pas que moi sur la chaîne, il y aura Mcroft de France, peut-être Zizou, ou encore, bah, comme c'est une chaîne communautaire, on acceptera évidemment d'autres magiciens, avec évidemment un minimum de qualité quand même. Enfin, je ne parle pas de qualité vidéo, je parle de qualité en termes de technique et de boniment, c'est-à-dire bah, quelqu'un qui sache quand même s'exprimer. Bien que je pense que les tours en musique, ça marche très très bien en vidéo, hein. Tours en musique d'ailleurs, j'ai fait deux montages. Que je vous recommande d'aller voir si vous ne les avez pas vus.
Et ces montages, bien sûr, vont rester sur la chaîne. Par contre, les autres tours, à mon avis, ils vont tous migrer vers Magic, je ne sais même plus comment il appelait ça, Magic Community FR, voilà, c'est le nom de la chaîne. Et voilà. Bah, c'est tout ce que j'ai à dire. En tout cas, j'espère que l'intro vous aura plu. Si vous avez des questions, c'est moi qui l'ai faite. Enfin, l'intro, enfin voilà, quoi. Vous avez vu la petite musique. J'ai fait quelque chose qui s'appelle du morphing. C'est-à-dire que, enfin, je peux pas vraiment expliquer, mais c'est ce qui m'a permis de faire des liens entre plusieurs images pour passer de ma Gémeaux à 500. Donc voilà, c'est tout, j'ai passé un peu de temps. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Comme je vous ai dit, ça fait assez longtemps que j'avais préparé cette vidéo. Ce tour de magie, je l'avais imaginé vraiment au début du mois de juillet. Et je voulais pas le faire avant d'avoir les 500 abonnés. Donc voilà. Sur ce, à bientôt. J'ai des tours de magie en préparation. Vous les verrez sur ma nouvelle chaîne. Je voudrais quand même terminer cette vidéo en parlant de ce que j'ai fait cette dernière semaine, parce qu'il y en a plein qui doivent se poser des questions. En fait, je veux pas rentrer vraiment dans les précisions, mais j'ai pas participé, mais j'étais me rendre à un festival de magie. Bon, je reparle parce que ça vous concerne quand même, pour ceux qui me suivent pour la magie. Et je dois dire que c'était vraiment fantastique. Bon, je parlerai plus précisément de tout ça sur Facebook, s'il y en a qui ont... Enfin, je l'écrirai, hein. Je ferai un long post. Mais voilà, je voudrais quand même vraiment remercier tous les magiciens que j'ai pu voir, même si je ne pense pas qu'ils verront un jour ma vidéo, mais vraiment, j'ai vu des magiciens super forts, enfin, surtout pour des numéros de cabaret. J'ai envie de citer Luca Bono, Charlie Mag, donc le premier est italien, le deuxième est espagnol, Charlie Mag, Sébastien Nicolas, un très très bon manipulateur. Il y a Désiré Nangy, que je remercie beaucoup parce qu'il est très sympa, et que l'année dernière il m'avait aidé pour préparer des numéros. Enfin, voilà, tout ça, Artmic, bah, maintenant ça fait 3 ans que je le vois, Bertox, enfin bon, je peux pas citer tout le monde, mais vraiment. Voilà, quoi, j'ai même partagé quelques vidéos. Je vais mettre quelques vidéos sur ma page Facebook, voilà, des meilleurs numéros si je les trouve, parce que bon, en général, c'est assez dur à trouver. Et voilà. Et tout ça me donne envie de faire de la scène. D'ailleurs, j'ai quelques vidéos de moi faisant de la magie. Seulement, bon, j'ai pas trop encore envie de les mettre. On verra plus tard si je les mets. Comme pour l'instant, je n'ai pas choisi de montrer mon visage, et bah, vous ne pouvez pas les voir, mais bon. J'espère que vous m'en voulez pas trop. En attendant, c'est déjà bien que je vous fasse ces petits tours comme ça, sachant que voilà, c'est a priori, je dis bien, hein, le dernier tour que vous voyez sur cette chaîne avec le dernier effet, c'est le Joker qui prend de la couleur. Allez, salut tout le monde!